y a un pile promesse qui fait, mais résultat yo yo pas vraiment comblé attente population. Donc tu voulais nous n'avons pas fait moun confiance encore. Donc nous voulons que haïtiens yo réconcilier avec haïtiens, que haïtiens yo rive réconcilier tête yo avec pays, hein, parce que finalement faut que bagay yo changer. Pas grand ken progrès, pas grand ken développement qu'a fait si pas gen stabilité dans pays ya. Donc faut gen stabilité. Et unir, c'est une nan bagay que li a mandé. L'a mandé pour pays ya stable. L'a mandé haïtien pour que yo poser. Parce que développement que nous avons cherché à, progrès que nous avons cherché à, nous pas qu'arriver joindre ni si que nous été à fonctionner dans gens à fonctionner à là. Donc unir, reconnaître que réconciliation, c'est une des choses qui est capable de permettre à ce que le pays a joint une voie que l'y a cherché. Il y a plein de monde qui comprend que le travail à la tête, son bagage qui est facile, son bagage qui est vraiment difficile. Les professeurs. Continuer à travailler avec fumier. J'en ai qu'on fait longtemps. Nous avons gagné plus de production dans le pays. Nous avons un jardin, même pas jamais mettre en c'est tout dans le jardin. D'ailleurs, je fouille tout, je fais compost. Comme je fais jardin, je fouille compost, je mets dans le jardin. Je fais toujours bel jardin. Épinards, laitiers, carottes, betteraves, pommes de terre, blancs de tuto. Ou après tout le temps, ou après mettre un grain dans la terre, ou quand ça terre fort, ou être capable de manger la vie de fin, ou planter plein. Ou faire ça aux îles, ou être droit de passer sur terre à l'aller. Ou doit pas jamais rentrer dans la terre. Pendant la période coloniale, l'agriculture haïtienne était simple. D'ailleurs, après que, il était parlé de la révolution de la canne. Donc, la culture principale qui était dans l'agriculture, ça a été canne à sucre. Après ça, c'est café, vigne, coton, indigo, etc. dans le moins de mesure. Ok? Mais l'agriculture, ça a été caractéristique, c'est la force qui a fait le travail là, était l'esclavage. Donc, c'était les nègres qui sont en Afrique, qui était en travail. Ok, mais c'est ton agriculture qui est prospère. D'ailleurs, faut nous songer que vous avez les pays à l'appel des Antilles, c'est pas sans raison, c'est parce que c'était colonie qui était contre la France 9/12 de toute sa colonie rapportée. Ok, donc ça veut dire que c'est ton agriculture qui est prospère. Regarde statistique, combien millions de livres café, combien millions de livres sucre. Donc bah la tape marché, mais c'est le bagaille, c'est avec esclavage qui tape marché. C'est une agriculture qui est caractérisée par une polyculture vivrière. Parce que soit regarder les chiffres, ou bien commencer à rendre compte que l'exploitation de café a baissé drastiquement sur 20-30 dernières années. Puisque il y a plus de monde, la taille moyenne d'exploitation vient de baisser. Récemment, je suis allé dans un atelier, l'INARA a fait une dernière étude, l'INARA, c'est l'Institut national de la réforme agraire. Côté que, comme chiffre, la taille moyenne d'exploitation, c'est 0,48 hectares. Donc, ça veut dire que la majorité des gens qui font jardin dans le pays, c'est la quantité de terre qui est pour le travail. Donc, ce sont des choses tout petit. Tant que l'agriculteur se dit là, pour le faire jardin, il a besoin de semences. Ok? Il a besoin d'engrais dans le cas de mettre engrais. Et même s'il n'a pas utilisé engrais chimique, il a besoin de compost. C'est engrais organique, ça arrive. Parce que engrais, c'est toute matière qu'on peut mettre dans la terre pour qu'il y ait force. Donc, ça veut dire que l'engrais chimique, il va le faire plus vite, mais il y a un gros risque pour question de qualité, genre agriculteur sur tout là, et il n'est pas intéressant vraiment. Mais l'engrais organique, lui-même, il est engrais à libération lente. Ça veut dire que l'élément nutritif, la plante, il a besoin pour le grandir là-dedans, il va le tout doucement. Le MAST, ministère des Affaires Sociales, lui-même, il est là pour jouer équilibre, pour l'intervenu à chaque fois que nous sommes capables de dire qu'il y a un conflit qui est censé éclater entre patrons et ouvriers sous question de travail. Eh bien, on a pu mettre sur pied deux instances tripartites, c'est-à-dire deux instances qui gagnaient représentant l'État là-dedans, représentant patrons et représentant ouvriers. Première instance, c'est une instance que j'aurais appelée le CAROS. Le CAROS, c'est le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale. C'est une instance qui a 9 personnes là-dedans, il y a 3 représentants de l'État là-dedans, il y a 3 représentants secteur patronal, il y a 3 représentants monde qui travaille, nous capable dire les travailleurs. Et instance ça, il est là pour superviser
li gon droit de regard sous deux institutions qui kon fait parler en pile de li autrefois, nous pas dit kounya non, nan sens négatif. Nous voulons parler de l'ONA et de l'OFATMA. Mais avec la création de ces deux instances, de cette instance que aurait les CAOS, eh bien journée jodia patron yo gen représentant on dans CAOS, ouvrier yo k'ap cotiser dans l'ONA yo gen représentant on dans CAOS et l'état tout gen représentant et le CAOS a pour mission de superviser, de vérifier la gestion de deux instances étatiques à savoir l'ONA et l'OFATMA. Deuxième instance qui créait toujours sur une base tripartite, eh bien, c'est le Conseil supérieur des salaires. Conseil supérieur des salaires, là, il y a 9 personnes là-dedans tout. Il y a 3 représentants de l'État. Il y a 3 représentants patrons. Il y a 3 représentants ouvriers là-dedans. Et le Conseil supérieur des salaires lui-même, qui mission, comme son nom l'indique, eh bien, Conseil supérieur des salaires, que relé Nantinon-Jouette ICSS, eh bien, lui-même, il est là pour lui veiller, pour lui faire des recommandations à l'État sur comment qu'il est capable d'augmenter le salaire en Haïti. Le salaire minimum. Par exemple, nous connaissons que dans le temps, nous avons touché 125 gouttes dans la factory. Nous avons touché 150 gouttes. Eh bien, Conseil supérieur des salaires, là, lui-même, c'est lui-même qui l'a pour faire des recommandations à l'État, pour dire l'État, attention, tenant compte du coût de la vie, tenant compte de variations économiques, eh bien, il faut que augmenter le salaire moun kap travay pour que moun yo capable de bénéficier, les gens que économistes disent là, eh bien, une sorte de minimum vital.